Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ticket Challenge. Mamie Jo est en train de pleurer sur sa propre tombe. Elle se dit, oh mon Dieu, mais je suis morte! Mais comment ça, je suis morte? Ouais, c'est triste, hein. Oh! Mais non! J'ai encore un vampire! C'est qui celui-là? Mais toi, tu vas mourir dans d'atroces souffrances, mon petit. Et c'est encore Albert qui se prend les crocs dans le cou, quoi. Oh non! Mais pourquoi tant de haine dans son jeu? Pourquoi les vampires envahissent ma série? Hein? C'est pas Buffy contre les vampires ici! C'est Decade Challenge! Oh, le décade! Le décadé! Mais non, non, mais là, franchement, c'est abusé. Oh là là, et puis il va bosser en plus! Ben ouais, il va pas être en état, hein. Oh, pauvre Albert. Mon pauvre Albert. Mon pauvre Albert. Le cul en l'air. Oh, mamie, elle va venir. Mon fils, tu t'es fait manger le cou. Mais je t'ai déjà dit de mettre des oignons partout. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que tu vas faire, mamie? Tu vas faire la lessive? Ça serait cool. Je suis pas sûre que qui que ce soit fasse la lessive en ce moment. Hein. Même le majordome, il fait de la merde. Ah non, elle retourne chez elle. Elle retourne dans sa tombe. Ou elle va repleurer sur sa propre tombe. Non mais franchement. N'importe quoi. Et voilà. Ça, c'est l'œuvre de Joséphine qui a hanté la piscine. La baignoire, et elle a tout cassé. Tu commences à me casser les pieds, Joséphine. Hein, on te fera pas revenir. Hein. Là, t'es relou. C'est tout ce que j'ai à dire. Toi, t'es relou alors que Pierre Nard, c'est une crème. Donc, je voudrais. Hein? Ah! J'ai vu quelque chose ici. J'ai vu quelque chose ici. Peut-être me suis-je trompée. Ah, mais non, elle est toujours là. Jo! Arrête tes conneries, hein? Sinon, on t'interdit de revenir ici. T'as compris? Pourtant, c'est sympa. Tu puisses revenir voir l'évolution de tes enfants et tes petits-enfants, mais t'es un peu une pouffe. Oui, alors dis donc, j'avais complètement oublié, la dernière fois je vous ai parlé de l'arbre généalogique et que Germaine avait accouché. Et Germaine a eu un garçon, Clément. Voilà, ben, je ne le savais pas. Donc si on revient par exemple à l'arbre de Jojo, elle a eu 5 enfants et voilà les enfants. De leur génération. Et Audrey, elle a grandi, la fille de Gustave. Ah, bah c'est super, on va pouvoir l'inviter bientôt à la maison, puisqu'elle sera à l'école et qu'elle rencontrera ses cousines. Alors, on a 4, 3, 2, non, 4, 3, 1, 1, 1. Ah, bah oui. Bah oui, et Louise, j'ai pu un peu tricher pour lui faire avoir notre enfant, mais. Est-ce qu'on va avoir la bouille? Oui, de Julien. Voilà. Tout à fait. Mais lui, il a clé. C'est une blague? Pourquoi il a un bonnet de Père Noël sur la tête? Non, mais au secours, quoi. Hey, les girls! 6 h du matin, vous êtes déjà réveillées? Ouais. Allez, les filles! Travaillez bien l'école! Mais elles ont toutes la même tenue. Je suis très originale. Elles ont la même tenue, mais juste pas les mêmes couleurs. D'ailleurs, on est en train de regarder. Ah ouais, toi, t'as la même tenue que moi. Ouais, voilà. Ok. Bon, c'est super. Marcelouille. Oh punaise, il est dégueulasse et il a faim. C'est trop bien. Tu vas venir ici. Tu vas ouvrir. Mais si, tu vas prendre un gâteau au miel. Un bon gâteau que ta maman elle a fait. Ah, j'arrive pas à voir. Tu vas prendre un morceau de ça. Et j'avais cru voir quelqu'un qui venait frapper à la porte, mais non, ça devait être elle. Laisse-le tranquille! Oh là là! Commence pas à m'énerver, Marguerite! Tu le laisses! Il va se gérer tout seul! Albert, tu fais quoi? Albert, il prend son bain. Ouais, parce que l'autre salle de bain, l'autre baignoire, elle est pétée. Donc toi, tu vas vendre ton truc. Bravo! En plus, elle est toute excitée. C'est bien, tu vas pouvoir aller draguer un peu ton homme. Tu vas. Complimenter ça en apparence. S'il est tout nu. Un baiser passionné. Voilà.
Ça va te remonter le moral, et lui aussi. J'avais su que tu avais une promotion, félicitations. Un petit déjeuner au restaurant Majestic Café serait parfait pour fêter cela, ça te tente. Oui, j'ai ajouté via la galerie des bâtiments qui sont un peu plus d'époque, comme ça on peut y aller. Eh bien, il est 9h du matin, lui prend le boulot à 14h, et j'ai envie de dire, on y va! Un petit déj avec sa sœur, ce sera sympa. Alors, nous voilà au Majestic Café. Ah, ça va être le jour de l'amour, d'après ce que je vois. Je vais mettre les murs. Et on va regarder à quoi ils ressemblent. Alors, c'est juste, j'ai repris par rapport à la. J'ai fait la même chose qu'à la. Enfin, c'est dans la galerie, hein. Vous voyez, ça, c'est un musée, je crois. Et ça. Je crois que c'est. Non, je crois que je ne l'ai pas changé, ce truc-là. Mais voilà, j'ai mis des bâtiments qui sont un peu plus d'époque, hein, pour pas que ça fasse trop de trucs moches. Disons trop moderne, c'est que voilà, bah on a typiquement l'exemple que je ne voulais pas. Ça aurait été celle de la rustique, j'aurais rien pas dit, mais là, ils ont fait popper ici un truc un peu trop moderne à mon goût. Et j'ai juste agrandi en fait la terrasse devant et j'ai rajouté un peu d'arbres et de plantes à l'intérieur, histoire que ça le fasse joliment. Bah, alors, il faisait pas moche chez nous, mais ici, il pleut. Ok, conversation intime et profonde, ça va, Louise? T'as un léger problème de chapeau, mais c'est sympa. Allez, et la tête dans le parapluie, c'est toujours sympathique aussi, on est d'accord. Hein. Ce dispositif, oh, gentillesse. Révéler un secret bien enfoui. Ok, bon, on va rentrer, peut-être. Si, voilà, donc ça c'est l'intérieur, évidemment, vous avez pu le voir. On va demander une table. Bon, il y en a, ils sont pas du tout habillés pour l'époque. Hein. Mais, ah, quand même, regardez, ils sont habillés un peu sur leur 31, un peu trop même, mais au moins, la tenue est sympathique. Oh, Gustave! Oh, mon petit Gustave! Comment dire? Discuter sans intérêt. Gustave! Mon ami! Mon frère! Oh, mon frère! Ok, il y en a qui font des proutes là, je sais pas pourquoi. Ah, oh, mais il y a Jacques! Ben Jacques, qu'est-ce que tu fais là? Ben pareil, on peut quand même te dire bonjour, hein, complimenter la tenue. Tu manges avec qui? Avec Lucie Bonnet, non mais t'es en train de tromper ta femme ou quoi? Non, mais franchement, là, ça va plus, hein! Tu l'appelles? Ouais, peut-être que tu te pointes ton cul, non? Tu vas te prendre la flotte, ma belle! Regardez comme elle est jolie là, en mode complètement mes années 20. C'est Louise, hein. Elle est un petit peu croquée, mais elle est jolie quand même. Mais non, mais c'est trop cute! Gustave, il est venu manger avec sa fille! Oh, et alors les yeux verts de papa et les cheveux roux de maman. Ah, la tête. Elle a déjà un téléphone? Mais c'est une blague. Oh là là! Je crois que. Yannick, c'est sa femme à Gustave. Je l'ai pas enlevé sa tenue de mariée. Donc elle va se balader en mariée. Bah oui, d'accord. Ah, on se prend là. On a une table dehors, nous. Comme ils sont mignons, présentation chaleureuse aussi. Bah, tu connais pas la femme Et après, on va s'asseoir. Voilà, alors, on est enfin avec dessiné sur le set de table. Commander pour la table. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On est prêt à choisir. On va prendre ça pour les deux. Ensuite, on va. C'est des entrées. Est-ce qu'on prend une entrée? Je suis pas sûre. Pain à la banane. Approprié raisin. Oui. Du banana bread. Sandwich VLT avec des petites saucisses. Une frittata aux épinards. Oh, ça, je vois bien ça pour Louise. Non. Albert, il va prendre du saumon en croûte. Allez. Et puis, on va prendre un petit dessert. J'ai le thé à la réglisse. Gélato aux fruits de la forêt pour les deux. Allez. Nous, on est fous. On en aura pour 54 simflous. C'est pas énorme. Alors, Louise, comment ça va? Amicale? Conversation intime profonde. C'est sympa de les voir.
Quand même. Un petit peu de sortie comme ça. Le frère, sa famille et les autres qui sont là, ils ont dit, ouais, t'as vu Albert? Ah, et la serveuse est là. Albert, il est là et tout, il est venu avec sa femme et sa fille, c'est trop bien. Complimenter la tenue, bah, elle est belle, hein, ma Louise, hein, quand même. Bah, c'est sympa, c'est très mignon. C'est dommage, c'est qu'il pleuve un peu, mais bon, ils ont l'air d'être protégés par ça, donc c'est parfait. Et puis l'endroit est délicieux. Putain, mais le boulot d'Albert, il commence dans 1 heure, ils ont pas encore mangé, quoi. Ça craint. Eux, ils ont déjà mangé! C'est dégueulasse! Nous, on n'a rien! S'il vous plaît, on aimerait avoir notre commande! Bah, ils nous donnent la vaisselle dégueulasse! Non, mais quand même! Enfin! Mais! Ils nous ont foutu le dessert! Mais! C'est n'importe quoi! Ils nous ramènent le dessert avec la boisson avant le plat. Mais hé, c'est du nawak ce resto. Je sais pas si on peut le noter, mais. C'est n'importe quoi! Bon, au moins, ils mangent quelque chose, hein. C'est déjà ça. Va falloir au boulot, mon pauvre Albert. Je sais pas. Tu vas pas pouvoir payer, c'est pas grave. Tu vas terminer le repas. Ah bah ça y est! Ah bah non, ils nous ont pas pris notre vaisselle dégueulasse, hein. Non, mais c'est quoi ce service? Franchement. Ah, c'est pas vraiment fameux, hein. La réputation est pas terrible. Maintenant, il parle à des plantes. D'accord, super. Bon, bah, Albert. Salut. Je sais pas comment on va me laisser là ou pas. Je sais pas. Allez, salut, Albert. À tout à l'heure. Bon, j'ai été jumpé, droppé dans la maison. Et c'était écrit quoi? Eh, faut payer l'addition? Bah, eh. Eh, vous avez payé une addition en 12 ans. Nous, l'avons facturé. Ah, alors, les notes sont en hausse pour Simon. Très bien. Et lui, il était parti où, là, le glandu, là? Non, mais franchement. C'est qui, ça? Amélie Johnson. Salut, Amélie. Tu vas être sympathique, faire connaissance. Allez. Elle vient avec nous ou pas? Je suis pas sûre, en fait. Ok. Ah, ben, elle fait enfin quelque chose d'utile par elle-même. Bravo. Tu vas faire tes devoirs. Vous allez toutes faire vos devoirs maintenant. Comme ça, au moins, c'est fait. Mais c'est nawak. Bon, donc, le petit gland n'en glande pas à une. C'est les gens qui viennent chez moi qui vont jeter les poubelles, quoi. Tu vas bien. Tout va bien. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a fini par réparer? Je pense que oui. Oui, il a quand même réparé des trucs. De temps en temps, il est utile. Mais seulement de temps en temps. Ouh, qu'elle est belle! La fabuleuse Green Copy. Non! Encore à toi. Vendre un 46 Simflouz? Oh bah on n'en veut pas. Non mais franchement, meuf, tu t'es surpassée dans la médiocrité là. Je pensais l'accrocher dans la chambre des filles, mais finalement non. Allez, va au lieu de faire des tours Eiffel là. Tu vas aller regarder ton œuvre, tu vas te dire. Ah! Et elle là? Oh la saloperie, on peut pas lui dire, c'est génial. Il est où l'autre gland là? Non mais toi, tu me saoules de ouf, hein. Attribuer une tâche. Jouer du violon, dormir. Un repas familial, c'est déjà pas mal. Bah c'est ça, elle a tout salopé chez moi et elle s'en va maintenant. Saleté, va. Albert est rentré chez lui avec 400 de Simflouz et il meurt d'envie de s'amuser. C'est pas cool. Non, 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 non. Tu vas jouer un concerto. Normalement, ça te va bien la musique, hein. Ça devrait te détendre et tout, te divertir, je pense. Voilà. Puis les filles, elles s'amusent là, elles jouent la poupée et tout ça. Alors, et Simonette? Simonette, dans 2 jours, elle sera adolescente, donc dans 2 épisodes. Un épisode et demi, j'en sais rien. On passera en 1930. Qui est content, lève la main. Qui est content, lève la main. Ça va faire du bien, du bien. Et puis, bah, ça va être sympa, parce que je sais pas quel est le pitch de 1930, je me souviens plus, là, comme ça. Donc, ça va être sympathique.
Waouh, papa! Mon papounet, tu joues trop bien du piano, regardez. Et c'est Gisèle, bizarrement. Bah voilà, on a la notif pour Simone. C'est celle qui ressemble plus à son père. C'est rigolo, hein, qu'elle s'intéresse vachement à ce que fait son père. Il pourra peut-être lui apprendre le piano, hein. Mettre une ambiance endiablée. Ah oui, endiablons-nous et puis regardez, ça le divertit bien. Donc ça, c'est sympa. Hourra! Il s'est nettoyé tout seul sans qu'on lui dise. Hourra! Tiens, tu vas rajouter un additif, ajouter des fleurs, du mufflier pour l'eau de lessive. Je suis pas sûre qu'il fasse la lessive, l'autre là. En même temps, il fait pas grand-chose, hein, le majordome. Donc. Voilà. Parce que ça... Mais ça fait un moment quand même qu'on n'a pas fait de lessive. Ouais, là, ça pue. Hein. Tu vas faire la lessive dans la bassine, Marguerite. C'est toi qui vas t'y mettre, qui va t'y coller. Pourquoi ça fait ça? Ça pue? Il y a des bêtes et tout? Ouais, c'est dégueulasse. Allez, Marguerite, toi, il y a des petits papillons qui volent parce que ça va sentir bon. Ouh, c'est trop si pio. Oh, des bulles. Oh, c'est trop mignon. Voilà, comme ça, au moins, on fera. Bah, lui, il est en train de piquer une crise. Ah, des chiens. Apprends-moi à utiliser le pot. Papa. Allez, tu vas vider ta lessive sur la corde à linge. Hé, Marguerite. Ouh. Ah, mais il est là, Arthur! Oh, c'est juste pas le bonsoir. Il est minuit, ils vont pas venir, hein, les autres. Voilà, tu peux faire ça et tu changes l'eau, s'il te plaît. Les petits papillons vont disparaître, mais ce sera toujours bien. La connexion d'Arthur avec le monde physique s'affaiblit chaque jour. Pour éviter qu'il ne soit totalement oublié, ses amis et sa famille devraient aller à sa dernière demeure et tenter de renforcer la connexion avec le monde physique. Ils peuvent également évoquer son esprit et interagir avec lui à un niveau plus personnel. Oups! Est-ce que renforcer la connexion? D'accord. Ben au moins oui, pour que qu'il puisse rencontrer son fils quand même. Là je l'ai vu sortir, mais il est où? Je sais pas. Il doit être peut-être à l'étage. Je sais pas où il est. Il a fait peur à Irène. Oh bah alors Arthur. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu lui parles? Ouais, non, je sais pas. Mais il est là, ton frère, hein, si tu veux lui parler, il est là. Raconter une histoire délicieuse. C'est juste pas le bonsoir, quoi. Il a pas pu voir son fiston, Arthur. Bon, tant pis, non, c'est pas... Ça arrive, hein. Il fait la table, regardez, il est trop mignon, il est trop gentil. Joséphine, elle casse tout. Pierre-Nard, il est sympa et Arthur, il est adorable. Voilà. C'est comme ça. Sinon, toi, tu peux chercher à manger là, idiot. Marcel. Imiter une célébrité. Bon, après, t'iras te coucher quand même. Et elle fait quoi? Mais elle. Faut arrêter avec les gosses. Mais sérieusement, vous avez un grain, hein, les Sims, là. Toi, tu vas manger, tu vas dormir aussi après. Allez, zou. 8 compétences charisme pour Albert, quand même, hein. Et Marcel. Marcel tombe. Tout douillettement dans les pommes. Est-ce qu'il est chiant? Tu vas manger. On va dire à l'autre gland là d'aller se coucher. Il est où? Oh, mais il est parti se laver. Non mais tu vas, majordome. Attribue une tâche, s'endormir. Voilà. Ça c'est fait. On sera tranquille. Oh là là, c'est difficile, hein? 3h30 du matin, tu m'étonnes. Il est peut-être temps d'aller se coucher. Bon, Arthur qui regarde son neveu. Ouais, peut-être que tu pensais être couché, mon coco. Il a fait un kiss, monsieur. Écoutez la question d'Arthur. Mange! Allez, parle pas avec tonton. En plus, il est mort et tout. Donc voilà, tu vas être couché. Tu manges et tu vas au dodo, Marcel. Et plus vite que ça! Allez, Marcel! Allez, Marcel! Allez, Marcel! Mais punaise, va te coucher! Tac, 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 tac! C'était compliqué. Allez, moi je vous laisse là-dessus pour cet épisode. Bientôt, on passe en 1930. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la très bientôt pour la suite du Digate Challenge ou d'autres choses. Salut.